Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kadoran Karstein. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Warhammer Total War avec la série des contes vampires pour l'épisode 4 de la série avec Vlad von Karstein. Donc, au précédent épisode, nous avons réussi à faire la bataille d'Elfen avec l'armée de Manfred ici. Et après, nous sommes parvenus à massacrer quelques contre-rebelles vampires dans la province du Stirland déjà. Ici, du côté du Urban notamment. L'Empire est arrivé nous assaillir la cité et nous l'a pillé. Et là du coup on se retrouve dans une situation avec l'Ostermark ici qui est présent. Du côté de Camperban, ils ont recolonisé la cité. Je reconstitue mon armée tranquillement pour pas avoir de mauvaises surprises. Et ce qui me manque là, ça serait un autre héros dans l'armée de flamme. Là je suis en train d'améliorer le Stirland pour booster la garnison. Et avec Manfred j'assiège actuellement le château de Bechafen dans le but de faire en sorte d'avoir toute la province et de mettre la pression à l'adversaire. Il me faudra environ 9 tours pour affaiblir l'ennemi. J'ai terminé la construction de la ville du Mout là. Donc là au niveau 2 je peux booster la caserne aussi, mais je vais attendre. Je vais voir si d'autres bâtiments ne sont pas prioritaires à bâtir. Donc à Val des Neufs on peut bâtir, ah bah on va booster un peu l'économie, tac. Et voilà. Donc là on va passer le tour, on va voir ce qui va se passer. Donc là j'ai qu'un quart de mon mouvement, donc et encore. Il me faut un autre vampire là pour Vlad. Alors, ah bah oui, si j'ai pas d'équipement de siège à Béchafon, ça va pas le faire. Il va me falloir un bélier. Alors, il est où le bélier? 1. Et je vais mettre 4 tours. Ils ont quelques bretteurs, des lanciers, des tireurs. La garnison elle est composée de... Alors, albardier, bretteur, balétrier, ok. Ça va, le pire. Là, les forces de l'ennemi sortent. Et je suis toujours en guerre avec l'Empire, hein, rassurez-vous qu'ils ont encore fait une vaste confédération, vous voyez. Ah, l'Ostland qui envoie des agents. Je vais devoir me méfier. J'aimerais essayer de faire la paix avec eux, parce que pour le moment, j'ai pas envie de me déclarer la guerre. Donc... Alors, l'autre il m'a fait quoi? Ah, il me fait un raid chez moi. Ah, ok. En plus, la corruption empirique baisse. Donc là, il va falloir faire assez attention. Du coup, je vais recruter un nouveau seigneur. Alors, sombre, acolyte, temps de repos, moins 10%, humble. Je vais recruter un autre vampire, tiens. Taille de l'aura plus 15, ou plus de la. Du coup, je vais voir si je peux l'équiper. Et si vous voulez quelqu'un qui va être un seigneur vampire, bah, qui me le dise. Et en fonction des places, il aura ceci. Lame de vif, ouais. Objet enchanté, pas besoin. Bannière. Coup de résurrection, moins 7%. Chance de trouver des objets magiques, 4%. Et puis c'est tout. Voilà, t'as déjà une petite balle. Donc ici, on va booster tout ça. Donc un lancier, un squelette, déjà pour commencer. Et... dès que possible, on recrutera des squelettes, mais il nous faut des revenus. L'Empire et les nains qui stoppent dessus, hein, pour je ne sais quelle raison. Là, l'Ostland y ramène un agent. Là, j'aimerais bien que les nains de Karak, machin truc... Ah bah, les nains, j'ai l'impression qu'ils vont taper l'Empire ou quoi. Parce que là, ils se dirigent vers l'Ouest, donc ça m'étonne. Changement des vents de magie. Ok. Donc on verra plus tard. Je perds 1% de corruption empirique par tour, ça c'est chiant. Mais bon, ne fais pas de soucis là-dessus. Dans 8 tours j'aurai les sacrifices. Alors attends, non, les sabbats vampiriques, ce qui va booster la corruption vampirique dans les provinces adjacentes, dans toutes mes provinces, ce qui va être sympa. Et je vais essayer aussi de faire soit changer les genres de chevalerie, soit pour les sacrifices de la Hexenschnatt, qui va booster les au rang 3 les rois revenants que je recruterai et les banshees. Là je voudrais bien un roi revenant, comme ça je serais bien équipé avec une armée. Bon, je passe le tour. Je vais essayer d'aller ah, il y a une armée de l'Empire qui sillonne là bas je sais pas ce qu'elle fout. Ah, Camperbard a été soit attaqué soit annexé. Alors les nains, qu'est ce que vous voulez? J'ai une guerre. Oh là 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 là, ça va être chiant. Ça va être chiant. Je sais pas ce qu'ils me veulent, mais bon. Le Starmark a... Ah bah d'accord.
Comment ça, mais comprendre? Alors, Vlad a encore gagné un rang de 13, 2 points. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Aura de son majesté et lien magique, tac. Comme ça, on passe au niveau supérieur. Donc là, en gros, je suis en guerre contre l'Empire, Karak, machin truc. Come then, messenger. Spit out your et words, Averland, ok. Come then, messenger. Donc alors, l'Osterma peut pas faire la paix, je suppose. Putain, je suis bien contre 4 factions. Attends. J'ai besoin de pognon, donc tu vas me payer. Voilà. L'Averland, tu as du pognon. Oh, je pense que tu vas être une cible à raser prochainement. Kaishen, on peut faire quoi? On peut booster les garnisons. Par là. Ils subissent pas d'attrition ici. D'accord, je vois. Je vais recruter ce chevalier noir légendaire là, il va servir. Hop là. Et en plus ils peuvent se régénérer les cons. Et ça, ça va être marrant ça. Oh, la garnison elle était abandonnée. Bon, j'aurais pas besoin de prendre Béchafen hein, finalement. Je pense que la résolution au tout. Hein. J'ai pas compris, normalement il y avait une armée donc. Bon, ok, écoutez. Hein. Allez hop. On sécurise l'Ostermark. Et on va faire ceci. Et après on fera une barrière pour booster la garnison. Donc là. Du coup je suis tranquille avec Manfred pour le moment. Je pense que je vais le ramener du côté de la Verdant, j'aurai besoin de lui. Et je vais faire Horde Immortel pour booster toute la constitution. Il faut que Vlad tienne ses positions parce que je ne peux rien faire pour le moment. Il faudrait que j'arrive à prendre Laverheim et Kreinstadt pour mettre la pression à l'adversaire. Ouais, il faut faire ça, impérativement. Pendant ce temps, lui, il va rester ici. Je vais recruter quoi? Ah, je pourrais recruter un chevalier à barbe, j'en aurai besoin plus tard. Donc, ah pardon, on va booster l'ordre public évidemment. Par contre, ces nains, ils commencent à m'énerver. Qu'est-ce qu'elles foutent ces armées de l'Empire? Il y en a 50 000. Je sens des assauts qui vont venir dans tous les sens. Ça va être marrant. Il va falloir m'occuper de ces agents. Ah, là, les nains, ils se barrent. Ouais, ce soir, rentre chez vous. J'ai besoin... L'anneau des von Karstein. Ça, il va être sympa aussi, tu vois. Allez, hop. Biron pour le coup. Oh, qu'est-ce qui endommage un bâtiment? Oh là là. Putain, il casse les... Pardon. Ramenez cette armée vite. Il faut ramener ses armées du côté de l'Averland. Manfred en aura besoin de lui. Il me faudra quelques tours pour le temps qu'ils reviennent en Averland parce que là, ça devient urgent. Bon, là, ils se prennent de l'usure avec l'armée. Je peux pas les atteindre, ils sont bien trop loin. J'aimerais bien essayer de mettre la pression à France et à l'Averland, mais ça va être compliqué. J'ai regardé si je peux m'entendre avec d'autres personnes. Mais ça m'étonnerait, hein, parce que vu que j'ai des problèmes... Non. Les nains. Je sais pas ce que vous voulez pas discuter avec moi, non. Zufbar. Non plus. Ah là c'est dur la diplomatie. Les pauvres, tiens. I'm talking to no bloodsucker with his weird eyes. You'll try and get me. Oh oui, bon bah on va pas avoir de foutre la paix vu que t'es pas content encore, tête de con. Oh, je suis désolé, il y a une tête de con, Gringo. Il y a une armée impériale là-bas, mais si je la. Oh là là, tous ces agents quoi. Par contre les nains de bar, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais. S'ils veulent m'aider, ça serait sympa. L'armée de Manfred pour intercepter cette armée de. En plus elle est faible, donc moi avec ce que j'ai, j'irai de repasser par la Sylvanie. Après je m'occuperai de.
Bon, je gagne 1000, c'est déjà ça de prix. Là, les armées, elles prennent assez cher en dégâts. Donc lui, on va s'occuper de lui plus tard. Et celui-là, l'archidiacre, il va bientôt y passer aussi la casserole. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Ah, il se prend... ah, ils me font tous des pillages. Ah, vous êtes comme ça. Ah, j'ai 3-4 armées sur le dos, ça va être chiant. L'autre, il fait quoi? Je peux pas recruter des chevaliers noirs du cimetière par hasard, on sait jamais. Hein. Donc, je vais passer, on va voir. Bah non. Bon. J'ai pas le choix, il faut que je recrute si j'ai mes chances. Par contre, ce que vous êtes pas intercepter une des armées. Aucune. Apparemment, Everheim est assiégé. Par des nains. Ok. Bon, bah pourquoi pas, écoute. Hein. Donc là, on va essayer d'intercepter. Je sais que le mood va tomber. Hein. Ah non, ils assiègent. Ils attaquent fort au bestiaire. What? Ah ok. Bon, apparemment, mes armées sont expérimentées, mais est-ce que ça suffira? Pas sûr. Oh, là, 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 ils ont trop d'hommes. J'ai des ghouls, mais quand ils ont une en armure, ça servira pas à grand chose. Hein. Sachant qu'ils sont blindés. Non, bah, ça sert à part les... Je préfère essayer de faire quelques pertes, on verra. Défaite décisive, ouais, bah, si je fasse en même temps. Il y a... Ah, il me pille. Et je vais essayer d'intercepter les armées, parce que là, ça va être... ça m'énerve sinon. Laverland remonte vers le nord, ok. Zoufbar qui se retire loin sur mes terres. Enfin, qu'est-ce qu'il fout sur mes terres? Eh, hey, oh! Putain, 2200. Je peux peut-être intercepter avec Vlad le trésorier Balthazar Geld. Tu veux y aller? Ah non, je peux même pas, super. Il me faut encore un tour. Ah, mon nécromancien a gagné un rang. On va le booster. Le regard de Nagash. D'armée impériale, c'est abusé quoi. Et allez, on revient et on se barre. Prochain tour. Ouais, le gros de batte, ça... je sais pas comment il faut pour avoir d'autres d'armée, hein. Mais bon. Là, les nains, ils se barrent, ils vont peut-être m'aider, mais je sais pas. On va voir, à voir. J'ai recruté une unité de chevaliers, donc l'armée de Manfred est complète. Et là, il faut régler le problème des armées impériales présentes. Fort bestiaire. Ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Ouais, il faut que j'intercepte Balthazar, j'ai pas le choix. Manfred, lui, il va continuer d'avancer. Ouais, là, là. C'est un peu dur d'être un mort-vivant aujourd'hui, hein. Par contre là, j'ai boosté vite la garnison comme j'avais prédit. Là, il va falloir m'emparer de l'Averland, parce que World Bad, hein, l'Empire, il ramène 50 000 armées. Non, il se barre. Ah. Que vont faire les nains? Est-ce qu'ils vont attaquer? Une puissante armée, mais Vlad devra pouvoir se la faire, je pense. Donc là, les armées impériales sont vraiment assez nombreuses, hein, c'est ça qui est assez impressionnant. Parce qu'ils ont pas mal de points. Les tribus des cornes rouges ont été exterminées. Ok. Ah là là, c'est le bordel ici. Ok. Manfred. Ramène-toi, parce que là, on a du monde à gérer. Là, on va essayer de ramener les deux plus puissants Van Karstein sur le terrain. Dans un tour, on aura le boost, mais bon. C'est pas gagné. Excepté leurs armes, elles sont trop rapides. Ah, il me flanque, sale bête. Et après, ils vont se rebarrer. Par contre, là, leurs personnages prennent bien cher, et ça, ça m'arrange. Franz se retire vers le nord. Lui, il sera une cible à pour un temps. Ok, ça fait un adversaire de moins. Pourvu que l'Empire ne le confédère pas. Là, je suis occupé avec l'Empire, je peux rien faire.
Les nains qui ils attaquent. Ils prennent toute l'attrition, ça c'est cool. Alors. Bon, Manfred, on aura besoin de toi. Parce que là, on est un petit peu emmerdé. Quel lui sauve. C'est qui Yubalti là. Ok, il y a une armée, le gros de l'armée là, il est isolé, donc on va se faire cette bataille. Donc on sauvegarde. On va essayer de battre l'archidiacre. Donc apparemment c'est un général à cheval, ok. Il a beaucoup de tireurs, il a un mortier, je me fais pas de soucis. Les lanciers, je pourrais m'en occuper avec les gardes. Les gardes des crêpes s'occuperont des bretteurs, ça devrait aller. Donc on va se faire cette bataille. Unité de bretteurs. Garnison aussi qui va venir m'aider, ça peut taper dans la masse. Que les gens verraient les Vargas dessus. Mais bon, comme avec Vlad, j'ai la capacité de me déployer en avant, regardons. Ça peut vite être réglé. Donc une cavalerie, à part général. Ça devrait aller. 4 gardes écrits. Il faut que j'essaie d'avoir l'usure. Donc là, il va falloir privilégier avec les gardes. Et je pense qu'une invasion du Styrland sera nécessaire pour calmer l'Empire. On va parier, vu qu'on a que 8. Oh là 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 là. Hop, on va commencer le déploiement. Donc, alors, guerrier squelette en première ligne. Toujours. Ils ont 30 d'armure, c'est pas mal. Deuxième ligne, les gardes des cryptes. Tac. De chaque côté, on va mettre un lancier. Un pack de lance. Derrière, on va remettre un autre pack de lancier. Les gardes des cryptes avec armes lourdes. Voilà. Les Varghest. Ici. Ma cavalerie. Sur un flanc. Sur toute ma cavalerie sur le flanc pour si elle veut bien se mettre, bien sûr. Hein. 4 unités de cavalerie. Pour flanquer. Et Vlad, ici. Allez. En avant-marche, messieurs. J'ai la garnison, les renforts qui arrivent, mais ils me serviront à rien. Donc vite, on avance. On va utiliser la cavalerie sur cette ligne. Évidemment, ils me tirent au mortier. Hein. Donc les chauves-souris, ils sont où les mortiers? Ils sont là, le général ennemi est présent. Il y a 3 mortiers à Israël, ok. Donc là, il va falloir rentrer dans le tas. Le mortier, le temps qu'il bouge, ça va mettre un certain temps, je pense. Alors les mecs, non, non, vous déplacez pas trop, ils sont capables d'être à portée, les cons. J'ai utilisé mes unités volantes pour attirer l'ennemi. Essayer de semer la panique dans les rangs. Voilà. Donc vite, guerrier squelette, guerrier squelette. Guerrier squelette, guerrier squelette. Par là, la cavalerie, elle va se bouger. Vite, les gardes écrites, vous les envoyez. Ouh là là, là il peut y avoir un carnage dans le dos avec la cavalerie noire. Les chevaliers de sang, je vais vite les ramener en mêlée. Il me faut vite envoyer Vlad. Oula, les deux gargues se prennent cher parce qu'ils sont un petit peu en mêlée. Donc là derrière j'ai perdu le QT quoi. Mais il faut vite ramener tout le monde. Vite venez par là. Alors ici. Le général ennemi croit vraiment qu'il va m'arrêter. Voilà. Toi de lui. Bien. Ma cavalerie va s'occuper de ça.
Là, il faut vite flanquer l'adversaire. Voilà. Ah, il veut pas céder, hein. Là, il y a Vlad qui se bat contre l'autre. Voilà. Et nous nous retrouvons sur la map de campagne, donc après notre victoire contre l'armée de l'archidiac Wolframerud, en espérant qu'il va complètement perdre toute son armée. Ce qui m'étonnerait. Ah non. Ah, il a le livre d'achat qui va donner un plus 15% en rang de magie. Derrière, il resterait... Alors, Vlad, il va venir là. Manfred, il va vite essayer de défier Volkmar de Sévère. Avec le faible force, mais bon. Donc ici, on va faire quoi? On va booster les chevaliers, si on en a besoin. Donc bien, la caserne a été attaquée, ok. Je vais booster la ville. Je pense que la garnison de Wurtbad est pas mal actuellement, mais il faudra encore l'améliorer. Donc la prochaine fois que l'Empire d'Istar nous attaquer, bah, il risque d'avoir assez mal. Mon vampire a gagné un niveau, ce qui est bien. On va lui donner la capacité la fin pour régénérer les PV des combattants. Ensuite, toi t'es bon. Bon. L'Empire a combien de provinces maintenant? 8. L'Averland est un petit peu dans la merde. Est-ce que les nains veulent faire la paix? Ok, bon. Maintenant, mon ennemi, c'est l'Empire, c'est l'Imperium, c'est les hommes, c'est les anti-Xenophes. Bon, non, évidemment, c'est 40k. Hein. Donc là, il se retire. Là, il faudrait que j'arrive à intercepter Franz, parce que je sens qu'il va me faire assez mal du côté dans le nord. Les nains sont en train d'assiéger l'Averheim, ce qui m'arrange, mais... Au pire, je pourrais laisser faire les nains. Alors... La barrière sonatoire a été construite à Béchafen. Du coup, on va booster la production de peau. Et au niveau 3, on fera un bras zéro maudit, amélioré. Donc là, Manfred va se diriger vers Camperba pour en fonction de des armées qu'il y a. Donc Volkmar est pas loin, ok. Pendant ce temps, Vlad va aller du côté de l'Empire, hein, de la province du Reclam. Là, il faut commencer à donner une leçon au... Volkmar se retire à Grimburg. L'autre con aussi. Ah, les vilains. Ils ont contourné. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, ils sont... Ah, Averheim a été rasé, ça me fait plaisir. Donc, Camperbad. On rase. Voilà. Prendre de l'usure, mais tant pis. Et je vais te booster. Hop, on va encore réduire le niveau de perte due à l'usure du fait qu'on n'a pas beaucoup de corruption vampirique. Et moi, je vais me rapprocher de Grimburg pour essayer d'assiéger la cité. Par contre, là, l'armée, elle m'inquiète un peu. Bref, flagellant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, je peux recruter quoi? Lancier, squelette, ok. Le régiment de renom, je peux pas. Il faut vite renforcer cette garnison. Ah, elle est faible. Hein. Qu'est-ce que je vais tenter de faire? Mais je vais tenter de faire un truc, mais bon, je sais que ça c'est inutile. Et dès que possible, on... Pardon. On revient. On verra. Bah ouais, que je fasse flagellant quoi. Tous les flagellants qu'ils avaient, je pouvais rien faire. En plus, c'était Franz. Mon dieu, Franz ferait vraiment très mal quoi, à cheval. On a perdu un de nos valeureux généraux, mais on va le venger. Parce que j'ai pas l'intention de m'en rester là. Donc Manfred, tu peux faire... Est-ce que tu pourrais peut-être tenter... Alors, t'as des gardes des cryptes, ouais. Tu peux recruter le régiment légendaire, on va le dissoudre celui-là. On va recruter ce régiment-là, on aura besoin de lui. Voilà. Très bien. Est-ce que si j'assieds, je prends des pertes?
Non, je ne prends pas de perte, ça c'est bien. Du coup, Manfred, est-ce que tu peux siéger comme bureau pour toi? Ouais. Bien, on va mettre la pression à l'Empire, on va essayer de raser deux de leurs cités. Même si nos arrières sont vulnérables, mais tout le monde lance tout ce qu'on peut. Et Franz qui revient derrière, donc là pour le moment ils peuvent rien faire, on a l'avantage. Et si Franz revient ici, bah j'enverrai Manfred ou Vlad en fonction d'eux pour s'occuper de lui. Donc là il me faudra 9 tours et là-bas 5 tours, ok. Unwise. Bring war. Non, pas encore assez fort. Il faut que je vais vite assis. Je vais passer les tours pour essayer de rusher parce que Franz qui revient derrière. Aldorf. L'armée de France ne subit aucune attrition, j'ai l'impression. Du fait qu'elle pille. Oui. La Verland n'existe plus parce que je crains le pire. Ah non. Ah. Les principautés frontalières sont arrivées jusqu'ici. Si je pouvais avoir un état tampon avec eux, ce serait sympa. Pendant ce temps, les deux plus puissants von Karstein sont en train d'assiéger l'Empire. Mais bon. La garnison qu'il y a... Il faut être patient. Et une fois que j'aurai terminé ici, je raserai Kongbourg pour faire un No Man's Land pour peut-être s'occuper de Feydorf. Et vas-y, que je reviens là. Ouais, connard. Et je pense qu'en faisant des assauts... De toute façon, je peux pas rien défendre là. Et là, il va se prendre encore de la corruption. Franz, c'est ça, ça m'arrange. Je te jure, je détruirai l'Empire jusqu'au dernier round s'il le faut. Pour leur incursion. Ferveur de la guerre, surplus de recrues. Une guerre entre l'Ostland et Kislev, ça m'arrange, on aura. Et j'ai encore bouffé ça, donc il me faudra deux tours, ok, super. Ah, il fait très mal, Franz. Mon écro qui regagne un rang, ça c'est bien. On va te booster. Regarde la gâche. Oui, bah ouais, mais bon. Hop, on va déjà réparer ça. Voilà. Franz est en train de s'épuiser bêtement, mais... Il a regardé, hein, il continue d'envoyer, hein, mais... J'ai l'impression qu'il comprend pas la leçon. Combien il va perdre d'hommes aussi. Ah, il perd beaucoup d'hommes, là, quand même, pour garder. En plus, il y a de l'attrition. Donc là, mon but, ça va être de raser la petite ville où il y a Vokmar Sévère. Je vais me prendre des rebellions. Ça va être la crise. Alors toi, t'en es où? 6 tours. Et là, 2 tours. Je vais vite, dès que je peux, je ramène l'armée là de Manfred pour aller soutenir parce que là, ça va être chaud. Avec moi avec niveau 4. Bon allez. Voilà, on l'a fait. J'occupe juste. Voilà. Il faut repousser les troupes et on va en avoir besoin. Donc on va faire ça. On va occuper, tant pis. Et je vais emmener l'armée de Manfred en renfort pour Munich. Ah ils veulent un traité de paix, bah. Vous savez quoi? Vous allez vous faire foutre. Tant que Franz ne s'arrêtera pas ses raids, je n'arrêterai pas mes raids. La France il se ramène, ça fait plaisir. Apparemment la capture de Grünburg a fait changer l'empereur. Hein. Déjà, on va refuser, on va pousser comme ça l'Empire. Donc toi, tu vas aider Vlad. On va assiéger non. Alors oui Vlad. Là j'ai l'avantage clairement. On va occuper la cité. Et voilà. Donc les deux puissants von Karstein vont gagner un rang. Et
Donc lui, il va gagner 2 points de compétence. Tout va bien. Et on va booster quoi? Le chevalier des ténèbres pour améliorer notre cavalerie. Manfred, lui. Ah bah mon écrou est mort. Génial. Désolé, Valentin, t'as péri. Voilà. Et toi, Manfred, tu vas rusher Wissenburg et Pfeidorf. Et comme ça, on mettra une barrière à... Oui, je sais, mais bon, là, on peut pas trop faire grand-chose, hélas. Là, je veux qu'il revienne. Et il y a une vaste armée des rebelles des contes vampires qui vient de popper, que j'ai complètement oublié. Je pense que je vais arrêter l'épisode là, comme ça, vous aurez l'épisode 5 derrière. Donc, on va voir. Ah là là, l'épée maudite, Manfred là aussi. Donc toi, tu vas vite revenir par là. On va rusher la conquête. On n'a rien qui peut nous arrêter. Donc là on n'a pas l'un de bâtiment à construire. À Nuln, on pourrait bâtir une quoi. Donc on peut bâtir un brasero, une garnison et un constructeur de marbre. Voilà. Plus de ressources. Et après, on dès que possible. Il n'y a pas un bâtiment spécial ici, Anne. Il faudra une armurerie. Un truc blastémateur pour booster la défense. Un fort vampire, ça pourrait être sympa. Au pire on fait, alors il me resterait 3 bâtiments donc. À Nul, il n'y a pas de truc. Armurerie, hop, hop, 3, 4, ouais, on fera tout ça. Et moi, je vais aller régler le compte à France, là, avec Vlad. Et je clôturerai l'épisode. Ou alors, non, je vais régler, alors, que fait France? Il se retire complètement. Il y a peut-être un moyen de l'intercepter. Si Manfred peut conquérir Pfeidorf, pulvériser Franz avec Vlad, et là je pense que les von Karstein auront donné de la leçon à notre adversaire. Donc alors, qui a gagné un rang? Manfred. Il est niveau 9. Donc alors, tu vas me gagner ceci, maître du savoir de la mort. Donc on va le mettre tous les maîtres et la veille des tombes pour booster. Ah, ils peuvent pas aller encore à Fader. Vlad, il peut intercepter Franz. Je voudrais l'intercepter, mais... Oh putain, il y a des vampires. Au prochain, il se passe quelque chose. Franz qui me demande la paix. Mais non. Tu me donnerais tout ton or, je refuserais. Je vais reprendre Grumbourg, vas-y. Prends Grumbourg, et après je t'arrache les yeux. S'est retiré sur ses terres. Je comprends pas que l'adversaire ne reprenne pas sa cité quoi. C'est incroyable hein. Il va falloir que je m'occupe de France. Donc là, là il faut que je prenne Fader, ce sera bon. Ou alors je peux exterminer l'Empire. Voilà. Donc là la cavalerie de sang elle va être boostée. Il manque. Et donc là on va passer pour les squelettes. On va essayer d'améliorer nos squelettes à gogo. Bon, voilà, on engage le prisonnier. Ouais, ça on le sait. Donc là, on voit que les principautés frontalières sont arrivées. On est digne de confiance. Les tribus des cornes rouges, je pense qu'on peut faire un voir avec eux, on va discuter. Manfred, tu vas me prendre Fader. Les fortifiés, t'es sérieux. Donc, on va vite prendre Fader, enfin, ça va être une formalité, une fois que j'ai l'équipement de siège. Donc là, dans le Reichland, pour le moment, je laisse comme ça. La priorité, ce sont les territoires en Sylvanien. Donc déjà, le Mout. Tac. On va booster toutes mes villes. Non. On va
bâtir quoi. Là je peux rien bâtir vu que je peux rien faire. Quoi, booster la carrière de mort. Et voilà. Je passe le tour et voilà. Allez Franz qui veut reprendre Grombourg, vas-y, fais-toi plaisir si tu veux. Moi j'en ai rien à foutre. Donc là on sait qu'on a atteint le Reichland, c'était notre objectif. Et il va falloir que je ramène Manfred, un des Vlan Karstein de l'autre bout du monde pour... Ah bah, le mec s'est vu, paix mais royal, vas-y. Manfred, peux-tu prendre la cité? Allez hop, pour moi cette cité on s'en fout. Voilà, le Wissenland est à nous. Maintenant, Franz. Tu vas me payer un gros traité si tu me sens heureux. Tu vas me payer 2000. Tu me dois au moins 2000 pour tes conneries. Bon bah on va tout absorber. Hein. Voilà. 3000 ici. Parfait. Donc alors on a récupéré le Wissenland. Donc malheureusement les principautés frontalières sont arrivées. Je ne sais pas pourquoi mais on verra plus tard. Et on possède tout le Wissenland grâce à cela. Donc on va booster vite la garnison. Parce que je sens qu'il vaut très chiant. Avec Vlad, je vais rester ici. Enfin, quoique, je vais peut-être l'envoyer dans le nord, j'aurai besoin de lui. Côté de Béchaf, il me faudra 3-4 tours. Et voilà. Donc je vais clôturer l'épisode là. C'était Kaiser and Karsten Tutor Studio, Planète Total War. Je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures.